Comment les cafardinho, année de retour pour les tutos, les rageux parlent dans mon dos pendant que je fais mon million d'euros. Parlez tous de moi, je m'en bats les couilles, j'ai les soldats. Fais péter les euros pour faire kiffer les cafardinha. Toujours le freestyle frérot, on fait péter les. Non, c'est bon, on s'arrête. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Tuto, les gars, vous allez kiffer de ouf. Le muscle memory, l'entraînement, l'IM, comment progresser, voilà, s'améliorer au niveau de l'IM, de sa précision, de ses réflexes, de sa réactivité, etc. Donc, le muscle memory. Vous pouvez le voir en haut à gauche, j'ai le sel show FPS, donc la ligne en vert vous montre le nom de la map, donc c'est Training IM CSGO 2. Je vais vous mettre le lien de la map bien évidemment en description. Vous avez également tous mes réseaux sociaux en description, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, voilà, me passer des messages et tout ça si vous voulez que je signe vos profils Steam, etc. Bah, bam, spammez-moi, il n'y a pas de problème, vous me tweetez et je vous ferai des signatures de profil. Alors, le muscle memory, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire musculaire. Donc c'est pour travailler un petit peu, comment dire, ses réflexes, ses flicks, d'accord? Donc les flick shots, c'est les coups de souris comme ça, mais avoir une précision, être précis sur ses coups de souris. Donc, je vais vous montrer deux exercices que je fais, que j'aime beaucoup et qui m'ont permis à moi de progresser un petit peu. Donc, c'est bah, en classique, on reste en classique. Par contre, le size de la cible, on va quand même le changer, on va le mettre en 8. Voilà. On met en 50 cibles, d'accord? Et le délai, on va mettre 0 parce que sinon les cibles mettent trop de temps à arriver. On prend une AK, voilà, une arme, il n'y a pas de souci. On monte au niveau 2, 3. Moi je le fais 2, 3, 4 en général. Et je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous faire un exercice un petit peu à blanc, vous expliquer un petit peu ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. C'est un exercice. Le but, c'est clairement de s'améliorer statistiquement parlant. Mais sur le long terme, c'est pas ouais, j'ai fait 48, t'as fait 32, t'as fait 36, je suis nul, etc. Chacun avance à son rythme et le but, c'est de progresser dans le temps et de le faire vraiment sur la durée. Donc, le but clairement, c'est que en situation réelle, quand vous vous baladez sur une map comme ça et qu'il y a un ennemi qui apparaît, là par exemple, c'est de flick tout de suite à proximité de lui et être le plus précis sur la cible. D'accord? Le but c'est ça. C'est pas de travailler son flick et de se dire oh je fais 50 sur 50, je fais 48 sur 50, super, je vais mettre des headshots à tout va, bang bang bang, screamy babe, Adil, tout ça. Non, c'est mort. Tu seras pas Adil. Même Adil, il le fait pas. Donc c'est mort. Le but, c'est clairement de travailler sa mémoire musculaire pour que dès que tu fasses le flick, tu sois vraiment très à proximité de la cible, voire carrément dessus, ok, et que tu puisses après ajuster un minimum pour gagner ton duel au niveau d'un spray ou de l'ajustement au headshot, comme tu veux, ça on s'en fout. Donc, je start et je vous montre. Donc là, voilà, la cible, la cible, la cible, la cible, la cible, la cible, la cible. Ok, que ce soit au poignet ou au bras, chacun son style, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez aller voir dans la bibliothèque, aller chercher, il n'y a aucun problème. À mes souhaits. Donc, tac, 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 tac. Voilà. Vraiment, le but, c'est d'être précis, le plus précis. Même si je suis un petit peu à côté, un petit peu à côté, hop, j'ajuste. Un petit peu à côté, un petit peu à côté, j'ajuste. Un petit peu à côté, un petit peu, hop, j'ajuste. C'est ça le but, d'accord? Donc, je stoppe, je le refais, je le fais très sérieusement et après, je vous montre le deuxième exercice. Sur 50, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Croix de bois, croix de fer, Jésus, Bouddha, Mohamed, tous. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, big up. Donc, ça, c'est le but. Je sais pas. Sur la vidéo, la pression, j'ai dit qu'il fallait que je le fasse. Ok, donc ça c'était classique. Et maintenant, intensive first timing. Bam, bam, bam. Donc on fait ça. Donc 0,5, etc. C'est le respawn. Donc de base, je crois que c'est 0,6. Laissez en 0,6 si vous galérez. Mettez 0,5 et quand vous êtes vraiment après.
de mieux en mieux, vous vous sentez de plus en plus à l'aise, vous mettez même 0,4. Donc 0,5, target limite, donc c'est le nombre de targets qui va popper avant que ça se reset automatiquement et que vous ayez perdu, on va dire ça comme ça. Donc regardez, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et bam, là c'est fini. Voilà. Là vous avez perdu parce qu'il y a eu 7 cibles qui sont apparues. Donc le but c'est clairement d'aller le plus vite possible et ça va vous permettre de travailler les gros mouvements, d'accord, mais aussi d'ajuster sur les gros et les petites derrière enchaînés, on va dire ça comme ça. Donc imaginez que vous ayez un duel, grosso modo, en situation réelle, ça va vous aider pour ce genre de situation. Imaginez que ça ce soit un ennemi et ça ce soit un ennemi. Donc de flic sur lui et de contrôler votre spray et d'enchaîner sur le deuxième. Ou alors de flic, de re-enchaîner et de retuer le deuxième le plus rapidement possible. Ça va vous aider pour ce genre de choses. Ok, donc je vais start et on va en faire, je sais pas, on va voir. Ouais, donc voilà, il y a des petits mouvements et il y a des grands mouvements clairement. Ouais, essayez de travailler vos flics comme ça. Ouais, c'est clairement fait pour essayer de travailler, de mettre vos coups de souris comme ça, vos coups de bras, etc. C'est vraiment fait pour vous entraîner. Combien de temps j'en fais, combien j'en fais, honnêtement, je ne sais pas. Il y a des jours où j'en fais, des jours où j'en fais pas. Donc en classique, en général, j'en lance au moins 5 à 50. Et après en intensive, je le relance au moins 2 ou 3 fois et j'essaye d'en faire le plus possible. Des fois ça me gave et tout, mais j'en fais quasiment 200, 250, 300 sans que les cibles me submergent, on va dire ça comme ça. Mais dans ce cas là faut peut-être augmenter la vitesse, d'accord, se mettre le niveau de difficulté de plus en plus haut. Donc concrètement c'est vraiment fait pour vous faire progresser sur la durée. On n'est pas là pour se comparer le nombre de cibles, etc. Chacun a son niveau, chacun ses qualités, ses défauts. Il y en a qui sont très à l'aise avec le fait d'avoir de l'IM, les flics, etc. Qui sont des personnes très calmes. Il y a la sensi aussi qui joue, les grandes sensi contre les petites sensi et tout, qui vont avoir plus de mal à cet exercice. Mais les petites sensi vont savoir mieux gérer leur spray que les grandes sensi. Donc c'est différent, chacun joue un peu comme il le sent, d'accord, c'est les préférences. Donc big up, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous allez vous progresser et vous améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas en description, vous abonner à la chaîne, go partager un maximum de mes vidéos si vous les appréciez, les liker, les commenter, voilà, me dire un petit peu si vous avez des idées de tuto un petit peu à venir. N'oubliez pas que je stream tous les soirs sur Twitch, vous avez tout dans la description encore, vous pouvez me follow sur Twitter pour être au courant de mon actualité. Voilà, s'il y en a qui veulent que je signe leur profil aussi, tweetez-moi vos profils directement et je les signerai. Voilà, il y a un petit bouton aussi en top commentaire à chaque fois que je mets maintenant avec mon doc Google, avec tout le matériel que je conseille, comme ça vous n'allez plus être dupé. J'ai fait des vidéos guides, mais au moins maintenant je mets mon doc Google avec tout le matériel que je conseille à jour avec Media Amazon. Donc big up à tous ceux qui pensent à moi et qui prennent mes liens à moi. Et il y a un petit bouton pour soutenir si vous voulez faire un petit geste, voilà, qui passe sur le stream. C'est le truc du stream, c'est pas un Tipeee ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voulez passer sur le stream et lâcher un petit message de temps en temps, il y en a qui le font, ça me fait ultra plaisir. Merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous embrasse tous très fort parce que sans vous on n'en serait jamais là. Big up à tous les haters aussi, on va pas se mentir, je vous kiffe de ouf. Vous me faites bien taper des barres. Ciao!